Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une rapide vidéo pour vous présenter les offres qui concernent le pack de la victoire. Donc de base, ce sont des tanks avec des camos historiques en tir 6, 7. Je vais vous parler du pack et rapidement, sans rentrer dans des présentations parce qu'on fera j'ai des vidéos qui vont venir, rapidement vous dire qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qui voilà, et vous donner mon avis. Alors, donc la première offre, les 5 grands vainqueurs pour 15 000 pièces d'or. Alors vous allez me dire, il y a 2 tiers 6, 3 tiers 7. Vous avez 3 médiums, un lourd et un tank destroyer, un Teddy. Voilà, alors ce sont tous des tanks qui sont premium, qui sont avec un camouflage légendaire. Donc ça veut dire qu'en termes de crédit, pour ceux qui vont vouloir farmer les crédits, c'est des tanks qui sont intéressants. Parce que vous n'aurez pas à payer le camouflage à chaque fin de partie. Oui, vraiment, il fait partie du lot. Alors, donc, la première offre, c'est les 15 000 pièces d'or pour 5 tanks. Donc, vous avez le Cromwell B, le T-34-85 Victory, qui sont des médiums de tir 6. Vous avez le T-34-85 Rudy, médium de tir 7, l'IS-2-1945, lourd de tir 7, et l'ISU-122S, donc Teddy de tir 7. Alors, moi, mon préféré dans le lot, c'est l'IS-2-1945. J'enverrai la vidéo très rapidement. Pour vous parler du ISU-122S, donc il y aura une vidéo aussi qui viendra pour vous le présenter. Le Cromwell B, je l'ai aussi, et c'est un tank qui est très très difficile à masteriser. J'ai toujours pas claqué l'ace, alors je joue peu en tier 6 aussi, donc c'est pour ça. Et les deux T-34, le Rudy, tout le monde dit qu'il est super génial. Le Victory en tier 6 aussi. Donc ce sont des bons médiums, des bons tanks, et pour 15 000 pièces d'or, 5 tanks. Bah, ça fait 3000 le tank. Pour moi, ça vaut le coup si vous n'en avez aucun. Parce que bah, les compensations, c'est des crédits, donc ça sert à rien. L'offre qui est vraiment super ici, c'est le Cromwell B. Alors parfois, le Cromwell B, il intervient aussi dans des lots pour de l'or, pour du premium. Donc 3000 pièces d'or pour le Cromwell B, ça c'est... Voilà, il est souvent dans la boutique sur des offres qui sont très très intéressantes. Donc voilà, là c'est l'occasion. Et le dernier, c'est les 3 grands vainqueurs. Donc vous pouvez voir que vous avez 3 tanks, chacun coûte 3000 pièces d'or. Donc le même coût que dans le bundle des 5 tanks. Et là, vous avez le Cromwell B, l'IS-245 et le T-34-85 Rudy. Pour moi, ce sont les 3 meilleurs tanks de l'ensemble du lot des tanks de la victoire. Pourquoi ? Bah, l'IS-245, vous verrez la revue, c'est un lourd qui est exceptionnel. Le Cromwell B, c'est un Cromwell avec une mobilité d'anthologie, une gun dépression absolument phénoménale. Et le Rudy, c'est un T-34 qui est un super médium. Voilà, alors je ne l'ai jamais joué, mais le T-34-85, c'est un tank que j'aimais bien. Donc voilà, de base, ce sont des versions premium de tanks que vous retrouvez dans le jeu, dans le Tech Tree. Donc après, c'est à vous de voir. Néanmoins, je pense que ce sont des offres qui valent le coup pour ceux qui ne les ont pas encore et qui, comme moi, attendent patiemment des bonnes offres pour claquer leur tirelire. Voilà les amis, et je vous dis à très très bientôt. Normalement, un peu plus tard dans la journée, l'IS-245 devrait arriver. Donc comme toujours, la suite au prochain numéro !